quand Laetitia Hallyday évoquait la ressemblance de Sébastien Farran avec Johnny Hallyday. Johnny et lui se comprennent car ils ont des failles. Depuis le 5 décembre dernier, il est l'épaule sur laquelle elle prend appui, quand ses forces l'abandonnent. Manager de Johnny Hallyday de 2012 jusqu'à sa mort, Sébastien Farran n'a pas seulement aidé Laetitia Hallyday à organiser l'hommage populaire au rocker à la Madeleine ou ses funérailles au cimetière de Lory, à Saint-Barth. Il est aussi l'homme qui l'a accueillie à Louangeville, alors qu'elle retrouvait la villa de Pacific Palisades, en janvier. Le professionnel qui l'a aidé à superviser les derniers mixages de Mon Pays, C'est l'amour, album posthume de Johnny dans les bacs ce 19 octobre. L'ami qui ne l'a jamais lâché, au plus fort des querelles d'héritage avec les aînés du rocker, David Hallyday et Laura Smet. En ce début d'automne, c'est encore avec Sébastien Farran que Laetitia Hallyday prépare son retour en France et la promotion de Mon Pays, C'est l'amour devant les médias. Il comptera parmi les proches qui se relaieront auprès de la veuve de Johnny et de leur fille Jade et Joaille, dans la villa La Savannah, à Marne-la-Coquette. Cette proximité intrigue, certains magazines ont même relayé les rumeurs les plus malveillantes, oubliées du fait que Sébastien Farran vit en couple et père de famille. Terror Seb, comme on le surnomme dans le métier en raison de ses manières parfois expéditives, est fidèle. Fidèle au souvenir de Johnny. Fidèle à la promesse qu'il lui a faite, aider Laetitia, Jade et Joaille, dans ce tumulte que le rocker pressentait. Laetitia, elle, a confiance. Confiance en la force de caractère de Farran, embauché par le couple Hallyday en raison de son expérience avec l'intenable groupe de rap NTM. Confiance en son expérience des médias qui n'ont pas toujours été tendres. Ce type-là a de la trempe, c'est un survivant, un warrior. Comme Johnny. C'est Laetitia elle-même qui l'a confié à des journalistes du Monde, alors que celui-ci s'apprêtait à publier un portrait de Sébastien Farran, il y a 3 ans. Sébastien, c'est un grand passionné. Une belle âme. Un bon papa. Johnny et lui se comprennent car ils ont des failles, des démons. Dans le passé, ils ont vécu une vie de lâcher prise, de décadence, assurait la veuve de Johnny. Allusion à l'enfance nantie de Terror Seb, petit-fils de Jean Farran, ancien directeur des programmes de RTL, et fils de Dominique Farran, journaliste. Puis à son saut dans le vide avec Joey Star et Cool Chain, les deux fauves de NTM. À l'époque, les journalistes du Monde terminaient leur portrait, en évoquant le conflit qui opposait Johnny à son ex-épouse Adeline Blondiéo, l'accusant de viol. La bataille ne fait que commencer. Une mission sur mesure pour Terror Seb, écrivait-il. À croire que l'histoire est un éternel recommencement est.